Au IIIe siècle avant notre ère, le philosophe Aristote a écrit un texte qui s'appelle La Poétique. Dans cet ouvrage, qui fait environ une cinquantaine de pages, l'auteur va notamment développer des réflexions autour de l'écriture de la tragédie et de comment on fait une bonne tragédie grâce à la structure, grâce aux personnages, grâce aux pivots et à tout un tas d'éléments qui sont pertinents pour l'écriture de la tragédie et d'une bonne tragédie. Même si ce texte est un peu ancien, en réalité, il est encore très actuel et c'est un outil indispensable pour les auteurs d'aujourd'hui. Que ce soit pour le scénario, pour le roman ou pour le théâtre, les conseils d'Aristote dans la poétique sont encore aujourd'hui extrêmement pertinents pour les auteurs qui souhaitent raconter une histoire correctement structurée. Dans la poétique, Aristote définit une histoire comme telle. Il dit une histoire, c'est quelque chose qui a un commencement, un milieu et une fin. Ça peut paraître simple dit comme ça, et pourtant, c'est grâce à cette réflexion que nous, on va pouvoir structurer notre récit et qu'on va pouvoir proposer une forme qu'on appelle la structure en trois actes. Un premier acte qui va être un acte de présentation, d'exposition. Un second acte où l'histoire principale, les histoires secondaires et tous les éléments du film vont pouvoir grandir et se développer. Et enfin, un troisième acte qui est un acte de résolution de l'histoire et qui permet de conclure notre histoire. On va donc discuter maintenant de cette structure en trois actes et je vous propose de commencer tout de suite par le premier acte. Lorsqu'il écrit la poétique, Aristote dit qu'une histoire doit commencer lorsque rien de ce qui existe avant n'est important pour le récit et pour sa compréhension. Autrement dit, on commence l'histoire au début. Si dans votre récit, nombre d'éléments importants pour la compréhension de l'histoire se trouvent avant le début de votre histoire, et que vous y faites appel régulièrement, il est possible que votre début d'histoire ne soit pas en réalité le début, mais le milieu de l'histoire. Donc autant que possible, il faut faire en sorte que l'acte 1 soit vraiment le commencement de quelque chose. L'acte 1, il a cette fonction de présentation, d'exposition. Il va présenter l'univers, le décor, les personnages, les enjeux. L'acte 1, c'est vraiment quelque chose qui permet de comprendre où est-ce qu'on met les pieds, en tant que lecteur, en tant que spectateur. Dans l'acte 1, vous avez des personnages et vous allez présenter par exemple le personnage principal ou les personnages principaux. Et ces personnages qui vont avoir une vie toute régulière, toute tracée, vont se trouver confrontés à un moment à quelque chose qui change. Ça peut être un élément déclencheur, un appel à l'action, le catalyseur, on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, c'est quelque chose qui fait que ce personnage n'est plus capable d'avoir la vie qu'il avait avant cet événement particulier. Quelque chose a changé, il est bousculé dans son quotidien et ce personnage se retrouve concrètement dans une situation où il ne peut plus faire comme si de rien n'était. Il y a un appel à l'action. Et quelque chose de très important, c'est que l'acte 1, il pose des questions. Il permet de créer une sorte d'arc narratif. Je m'explique. Imaginez l'histoire d'un guitariste de jazz, extrêmement talentueux, mais qui joue dans son garage. Il rêve d'être célèbre, mais personne ne l'embauche. Il fait des castings, il fait des auditions, il n'est jamais pris. La question de ce personnage principal pourrait être la suivante. On pourrait se demander, est-ce que notre guitariste de jazz va réussir à atteindre la célébrité et la gloire? Et cette question qu'on pose dans l'acte 1, on va devoir chercher à y répondre jusqu'à l'acte 3. Et tout ce qu'on va raconter dans notre histoire ira vers la réponse de cette question. Par différents événements, différentes péripéties, mais on va chercher toujours à répondre à cette question. Est-ce que ce personnage va réussir à aller au bout de cette quête? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'arc narratif. Et donc il est important de visualiser l'acte 1 comme un élément d'exposition. C'est très important et ça permet de dynamiser tout de suite votre récit et d'envoyer une impulsion pour aller dans la bonne direction. Voyez le premier acte comme une opportunité pour installer une atmosphère, une ambiance. Le premier acte, c'est quelque chose d'assez dense. Vous y exposez énormément d'informations. Les relations entre les personnages, les relations que les personnages peuvent avoir au monde ou à l'histoire, avec un grand H. Et donc, vous avez énormément de choses à présenter aux spectateurs, au public, aux lecteurs. L'idée pour vous, c'est de ne pas rendre cet acte indigeste. Vous ne devez pas vous trouver dans une situation où vous enchaînez les informations
parce que vous avez besoin de ces informations pour pouvoir lancer votre histoire. Non, le premier acte, même s'il ne doit pas durer extrêmement longtemps, il ne peut pas durer la moitié du film, le premier acte, il a la vertu de ne pas encore avoir lancé l'action à proprement parler. Il présente des choses. Donc prenez le temps de diluer les informations. Installez-les subtilement dans votre histoire. Ne faites pas des gros pavés. Montrez les choses. Illustrez les situations uniquement par des scènes, par du visuel. Expliquez les choses sans avoir à les dire. Quand vous faites en sorte que vos personnages disent des choses, vous alourdissez votre histoire, votre narration, votre récit. Donc le premier acte, c'est la possibilité d'installer l'ambiance, de voir quel est l'univers, dans quel monde on met les pieds. Encore une fois, c'est important de montrer ça au spectateur. Et au fur et à mesure de cette présentation, où vous peignez ce tableau, installez-y des éléments, plus ou moins subtils, plus ou moins visuels, plus ou moins visibles. Faites en sorte que le premier acte contienne les informations, mais que le spectateur les prenne avec le reste. On voit un beau décor et puis on voit une tour en ruine au milieu du décor. Peut-être que cette tour en ruine, elle est importante pour l'histoire. Peut-être que cette tour en ruine, elle a causé une guerre, on ne sait pas. Mais si vous me montrez un paysage où on voit au milieu de ce paysage une tour en ruine, mais que vous n'insistez pas sur la tour en ruine en disant « Attention, cette tour, elle est en ruine, elle est importante pour l'histoire. » Non, là, vous alourdissez le récit. Par contre, si vous avez, voilà, ce paysage qui est là, et parmi les arbres, parmi les châteaux anciens, vous voyez cette tour en ruine, vous la décrivez en quelques lignes, mais elle fait partie de l'ensemble, elle fait partie du décor, elle est intégrée dans l'ambiance, alors là, vous êtes en train d'apprendre à disséminer des informations, à les mettre avec subtilité, à diluer les choses. Et c'est vraiment en diluant les informations, en diluant les situations, que vous serez capable de rendre le récit intéressant, engageant. Donc vraiment, n'hésitez pas. Cet acte 1, ce premier acte de l'histoire, il est très important, mais n'en faites pas un gros pavé. Faites-en quelque chose qui doit être fluide. On y donne des informations, mais en même temps, on n'est pas en train d'étouffer le spectateur avec tout un tas de choses dès le départ. Dernière chose concernant cet acte 1, essayez de ne pas le faire durer plus d'un cinquième du film, quelque chose comme ça, peut-être un quart d'heure, une demi-heure. Mais si déjà vous allez jusqu'à une demi-heure, vous avez intérêt à l'utiliser à bon escient. Si votre acte 1 met du temps à démarrer, si l'élément perturbateur met du temps à arriver alors que vous avez déjà présenté les situations, peut-être que le spectateur va s'ennuyer et que très rapidement il va décrocher. Donc l'acte 1, il doit être intéressant, essentiel et en même temps dilué. Donc c'est une sorte de paradoxe, mais vous devez à la fois mettre les choses importantes sans trop tasser et en même temps faire démarrer les événements et l'élément perturbateur, le catalyseur, l'appel à l'action. Tout ça doit démarrer à un moment où on ne fait plus attendre le spectateur. Quand les informations sont posées, on n'attend plus, on lance l'histoire. Et on pose la question principale à laquelle on devra répondre plus tard. C'est donc important de faire un acte qui soit un acte 1 qui soit bien équilibré. Et c'est un travail au fur et à mesure d'écriture et de réécriture qui s'apprend. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de vos rédactions, vous serez capable de faire un acte 1 dont vous sentirez que vous avez réussi à mettre l'essence des éléments qui vous intéressent tout en le rendant intéressant et agréable. Et quelque chose qui pose vraiment une atmosphère et qui dit au spectateur, installez-vous, voici l'histoire. Une des choses que vous pouvez faire pour lancer votre récit, pour le dynamiser, c'est de faire en sorte que la première scène, la première séquence de votre film, soit une sorte d'allégorie de toute votre histoire. On connaît ça par exemple en musique classique, où vous pouvez avoir tous les thèmes musicaux qui vont être joués au début de la pièce musicale, et on retrouvera ces thèmes tout au long de la pièce musicale, mais vous pouvez faire la même chose pour votre film, faire une sorte d'allégorie. Il y a par exemple un film qui s'appelle Les Diaboliques, qui a été réalisé par Henri-Georges Clouzot, et dans ce film, qui se passe dans une école, un internat, où les enfants, pour certains, vont être un peu maltraités, il y a d'autres histoires, mais on a vraiment un rapport à l'enfance qui est très dur. Dans cette histoire, dans ce film, au tout début, vous voyez le directeur qui conduit une camionnette. Il entre dans l'école. Les portes de l'école sont ouvertes et le directeur va entrer dans l'école. Et il y a un plan qui est inséré dans le film qui raconte tout sans un mot. On voit un bateau en papier plié, un origami, qui est sur une flaque d'eau et qui flotte tranquillement. Et on va voir, à cet instant, le véhicule conduit par le directeur d'école qui va rouler sur le bateau en papier, qui va l'écraser, le réduire en miettes, et le tremper dans la flaque d'eau. Et on passe ensuite à la suite de l'histoire.
cette image précise, elle raconte beaucoup de choses. Elle raconte, encore une fois, sans mots, sans dialogue, qu'il y a quelque chose par rapport à l'enfance. On va écraser quelque chose, on va détruire quelque chose. Et si vous ne connaissez pas ce film, que je vous invite à regarder et à découvrir, vous vous rendrez compte qu'il y a vraiment cette notion, qu'il y a quelque chose contre les enfants, qu'il y a vraiment une situation où les enfants vont pour certains être maltraités et vont pour certains souffrir dans cette histoire. Et donc l'idée de créer une scène qui est une allégorie de l'histoire du film, c'est pas tout le film. Tout le film ne traite pas d'enfance et d'enfants maltraités. Il y a même d'autres sujets dans cette histoire. Néanmoins, on donne un ton, on donne une image, quelque chose qui est marquant. Essayez de réfléchir votre histoire en image. Essayez de penser vraiment la chose en vous disant qu'est-ce qui, visuellement, me permet en quelques secondes de présenter mon histoire, le ton, la teinte de cette histoire. C'est extrêmement important et vous vous rendrez compte que plus vous chercherez à faire des choses comme ça, à créer des images de manière presque subliminale, mais qui sont là et qui permettent au spectateur d'être positionné dans une certaine ambiance, dans une certaine écoute, vous vous rendrez compte que ça permettra à votre récit de prendre de l'ampleur, de prendre de l'épaisseur, de prendre du dynamisme. Donc n'hésitez pas à réfléchir à une scène d'ouverture. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça à chaque fois, mais si vous arrivez à créer une scène ou une séquence qui raconte quelque chose, qui est une allégorie de votre histoire, vous marquez des points et vous rendez votre scénario intéressant, intrigant et il donne envie d'être lu. À la fin de l'acte 1, il y a un élément déclencheur, un catalyseur, un appel à l'action, on peut l'appeler comme on veut, qui va vous permettre de basculer entre l'acte 1 et l'acte 2 de votre scénario. L'acte 2, c'est celui qui est le plus long, car c'est celui du développement. À l'intérieur de l'acte 2, vous allez développer votre personnage principal, votre histoire principale, mais également, vous allez pouvoir ajouter des éléments tels que des personnages secondaires, des histoires secondaires, des sous-histoires qui vont venir amplifier et donner corps à votre récit. L'idée de l'acte 2, c'est qu'il doit emmener le spectateur, le lecteur, de l'acte 1 vers l'acte 3. Il doit contribuer à l'arc narratif. C'est grâce à l'acte 2 qu'on a une histoire qui se tient ou qui ne se tient pas. Et donc, pour cet acte 2, on va voir tous les éléments que ça concerne et on va parler notamment des histoires principales et des histoires secondaires qui ont énormément d'importance et qui donnent vraiment de l'épaisseur à votre projet, à votre écriture et à votre scénario. On passe donc tout de suite au chapitre suivant. L'acte 2 est extrêmement important parce qu'il ne peut pas être simplement le prétexte au développement d'une histoire. L'acte 2, il a une mission, il a un chemin. Son but principal, c'est d'emmener le spectateur, le lecteur, de l'acte 1 à l'acte 3, en suivant et en développant un arc narratif. Si vous vous souvenez, quand on parlait de l'acte 1, on disait que ce premier acte, il permet de poser une question principale sur l'histoire. Si on reprend notre exemple de guitariste de jazz, la question c'était, est-ce que ce gars complètement inconnu mais extrêmement talentueux, va réussir à atteindre la célébrité. Et ça, on y répondra à l'acte 3. Mais pour atteindre l'acte 3, on va devoir développer l'acte 2. Et dans l'acte 2, on doit faire la chose de cette manière. Pour que ce soit intéressant, pour que le spectateur ne s'ennuie pas, à chaque fois que notre personnage principal va marcher vers son objectif, et qu'à chaque fois il va essayer de s'approcher de la gloire, au lieu de s'en approcher, à chaque fois il s'en éloigne un peu plus. L'idée, c'est vraiment ça. C'est d'emmener notre personnage à découvrir et à vivre des événements qui, au contraire de sa volonté, vont l'éloigner de plus en plus de son objectif. Mais au même moment où ça va l'éloigner de son objectif, ça va augmenter sa volonté. C'est-à-dire que plus il s'en éloigne, plus il a envie de s'en approcher. Et donc, on va créer comme ça un arc de scène, un arc narratif qui va nous emmener, au fur et à mesure, dans une situation qui sera de moins en moins possible d'être tenue. Plus le personnage avance, plus il s'en éloigne. Et donc il y a un moment, quand on va avancer au fur et à mesure de l'acte 2, on va se retrouver quelque part où on va annoncer qu'à un moment on ne peut plus s'éloigner plus de l'objectif. Donc on atteindra ce qu'on appellera plus tard le climax. Ça sera quelque chose qu'on verra un petit peu après, mais l'idée c'est ça, c'est que votre personnage dans l'acte 2, ce qu'il doit faire pour son histoire principale, pour la trame principale, pour le premier arc narratif, l'idée c'est vraiment de se dire, notre personnage, il a un objectif, il a un but, il a la volonté, il a l'intention d'aller dans la direction de cet objectif, et plus il tente de s'en approcher, plus les événements qui arrivent, plus les choses qui lui arrivent, font qu'il s'en éloigne. L'idée, c'est vraiment de développer cette tension dramatique. Si vous donnez à un spectateur exactement ce qu'il attend,
un personnage qui arrive sur une scène et qui vient passer une audition et puis qui a son audition et c'est super. Bah, c'est pas intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de raconter les choses qui justement sont des pivots, des éléments qui font que on obtient des choses auxquelles on ne s'attend pas. On pense aller dans une direction et en fait on atterrit dans une autre direction. Plus on veut s'en approcher, plus on s'en éloigne. C'est un concept qui est très important et qui vous aidera pour la rédaction de votre histoire principale et le développement de cette histoire principale dans le deuxième acte. Parmi les outils disponibles pour vous aider à développer l'acte 2, il y a les histoires secondaires ou sous-histoires. L'idée, c'est la suivante. Votre personnage, il a un objectif. Il veut aller d'un point A à un point B. Très bien. Sauf que dans la vie, si vous voulez vous aller d'un point A à un point B, par exemple, vous voulez aller faire les courses pour faire une surprise d'anniversaire. Or, vous vouliez prendre la voiture, mais les clés de la voiture sont restées coincées dans le garage dont le bip est sur la table de votre bureau, au travail. Donc impossible de retourner au travail parce que vous n'auriez pas le temps de faire la surprise, donc vous prenez le bus. Mais le bus est coincé par un accident de voiture. Vous arrivez en retard pour vos courses, et quand vous revenez, vous faites la surprise, mais pas exactement comme vous l'aviez prévu, étant donné que toutes ces péripéties qui sont venues s'ajouter vous ont empêché de faire les choses telles qu'elles avaient été prévues. Eh bien pour votre personnage principal, et pour l'histoire, et pour la crédibilité de l'histoire, c'est un peu la même chose. Tous ces petits éléments, où vous partez à la recherche de vos clés dans la voiture, où vous devez prendre le bus, mais il y a un accident de voiture qui fait que le bus fait un détour, tout ça, on peut les assimiler à des histoires secondaires. On va prendre l'exemple d'un film qui s'appelle Little Miss Sunshine, réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris. Dans cette histoire, il y a une famille aux États-Unis qui veut emmener la petite de la famille participer à un concours de Mini Miss, un concours de beauté, et ils vont traverser les États-Unis à travers un combi, qui va notamment tomber en panne et avoir des soucis techniques. Ce film, qui est un très bon film, est rempli d'histoires secondaires. Il y a beaucoup de personnages. Il y a un grand-père qui est aussi addict à la drogue. Vous allez avoir un oncle qui veut se suicider parce qu'en fait il est malade d'amour. Vous avez le père de famille qui veut essayer de vendre un programme pour ne pas être un loser. Donc il va expliquer aux gens comment réussir dans la vie. Et il va essayer d'appliquer sa façon de voir le monde à tous les membres de sa famille. Vous avez un des fils qui veut être pilote d'avion et qui donc décide de faire vœu de silence tant qu'il n'entrera pas à l'école de l'armée de l'air. Et donc tous ces personnages, avec leurs histoires secondaires et leurs trames qui vont venir s'entrecroiser avec l'histoire principale, ils vont donner énormément d'épaisseur à toute cette histoire. Les histoires secondaires, c'est vraiment un élément qui vous permet de donner à la fois de la respiration à votre récit. On ne court pas vers l'objectif. Votre personnage qui mène l'enquête, votre personnage qui va faire ses courses, ou votre personnage qui court un marathon, ou qui veut gagner et qui veut faire une course jusqu'à la Lune et être le premier à atteindre la Lune, ce personnage-là, plutôt que de le présenter comme quelqu'un qui va tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, et qu'il essaye absolument d'atteindre son objectif, et qu'à un moment le spectateur se dise, oui, c'est l'histoire d'un gars qui court, et qui finalement avance, 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 pour dynamiser tout ça et en même temps le temporiser, pour donner de la respiration à votre récit, vous pouvez utiliser, et je vous recommande d'utiliser, des histoires secondaires, des sous-histoires. Alors l'idée, c'est pas d'avoir 14 histoires secondaires, parce que le problème, c'est que comme l'histoire principale, les histoires secondaires, il va falloir les résoudre. Donc quand vous posez une histoire principale, et une histoire secondaire, pardon, quand vous posez une histoire secondaire, vous devez la résoudre comme pour le reste et comme pour l'histoire principale. On va prendre un autre exemple qui là est tiré d'un livre de Linda Seger qui s'appelle Comment faire d'un bon scénario un scénario formidable. Elle parle des histoires secondaires et elle parle du film Retour vers le futur. Vous avez l'histoire Retour vers le futur réalisé par Robert Zemeckis. Vous avez donc l'histoire de Marty McFly qui se retrouve 30 ans en arrière et qui voudrait rentrer dans son époque à lui en 1985. Il doit mener cette chose-là, il doit réussir à trouver de l'énergie pour la voiture qui lui permet de voyager dans le temps, etc., etc. Mais dans cette histoire, suite à un malentendu, sa mère, qui n'est pas encore sa mère vu qu'elle est encore une jeune fille, tombe amoureuse non pas de celui qui sera son père, mais elle tombe amoureuse de lui, de son fils. Et en plus de devoir remonter dans le temps et de réussir à faire en sorte de pouvoir retourner à son époque, Marty McFly, avant de partir, doit s'assurer que sa mère et son père vont bien tomber amoureux, qu'ils vont bien avoir des enfants et que son avenir à lui n'est pas menacé. Vous voyez que ces histoires-là, ces éléments-là, sont extrêmement pertinents pour donner de l'ampleur au récit. Parce qu'en fait, la vie, c'est un petit peu ça. Et c'est ça que vous avez envie de raconter. D'un point de vue dramatique, on ne veut pas simplement raconter l'histoire de quelqu'un qui fait un match de hockey.
On a envie de raconter tous les parcours et toutes les péripéties que va vivre ce personnage. Et plus vous ajouterez de la crédibilité à votre histoire via les histoires secondaires, plus ce sera fonctionnel. Donc vraiment, essayez autant que possible de créer des histoires secondaires, mais n'oubliez surtout pas de les résoudre. Si vous ne résolvez pas ça, c'est simplement des choses laissées en suspens. Et il n'y a rien de pire pour un spectateur que de ne pas savoir comment cette chose-là que vous mettez très bien en place va se conclure. Et s'il ignore comment ça se conclut, vous perdrez votre spectateur, non pas parce que l'histoire principale ne marche pas, mais parce que l'environnement, les choses autour, lui paraîtront fades ou peu crédibles. C'est exactement l'opposé de ce que vous souhaitez. Dans la poétique, Aristote dit qu'une scène doit être la suite logique de celle qui la précède et doit également être l'origine sensée de celle qui suivra. L'idée, c'est vraiment de dire qu'on doit avoir une suite de scènes et d'actions qui ont du sens. On ne va pas simplement coller des actions qui n'ont rien à voir les unes à la suite des autres. L'une doit être le germe de la suivante et le résultat de celle qui la précède. C'est très important. Pour faire fonctionner tout ça, on va parler des obstacles. Le personnage principal est dans la trame principale. Le personnage, il ne va pas simplement faire des actions qui se suivent comme ça sans qu'il y ait forcément beaucoup de sens. Il faut donner du dynamisme au récit et donc on va passer par l'obstacle. L'obstacle, il peut avoir plein de formes. En tout cas, l'idée, c'est de dire qu'un personnage qui part dans une intention va se retrouver confronté à un obstacle qui va le mener dans une autre direction. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle qui se présente, le personnage va devoir être peut-être de plus en plus créatif pour pouvoir parvenir à ses fins, qui est, rappelons-le, le fait d'atteindre son objectif final. On va donc devoir se servir des obstacles et des différents types d'obstacles pour faire grandir le personnage. Grâce aux obstacles, on fait en sorte que l'histoire avance, elle prend un rythme, et ce rythme-là, vous voulez le conserver. On a tous vu des films ou lu des livres où on trouvait que c'était long, que ça durait, que ça traînait. L'idée, c'est vraiment de dire qu'en créant du dynamisme, vous allez éviter qu'on s'ennuie en lisant cette situation. Parmi les obstacles qui existent, vous avez des obstacles immédiats. Vous pouvez avoir un personnage qui vient pour retirer un colis à la poste et le colis n'est pas là. L'obstacle, il est immédiat. Il a besoin de ce colis, mais le colis n'est pas là. La raison, elle est posée, elle est immédiate. Mais vous pouvez avoir des choses qu'Aristote appelle les complications. La complication, c'est quelque chose où votre personnage principal se retrouve face à une situation dont la résolution sera peut-être quelques scènes plus tard. L'idée, c'est de dire qu'on a besoin d'une information, on demande une information à quelqu'un, un enquêteur par exemple, il appelle un collègue policier et il veut savoir quel est le programme, l'emploi du temps de tel ou tel suspect. Très bien. Donc l'information, elle est posée. Mais la réponse, il ne l'a pas immédiatement. Le policier à qui il a parlé, celui-ci va mener l'enquête. Et donc sans que nous, on le montre à l'image et qu'on le montre dans le récit, notre policier va continuer de faire son enquête. Et puis un peu plus tard, il va recevoir un appel en disant: ton suspect, il a un alibi, ou il n'avait pas d'alibi. Tiens, ça apporte des nouveaux éléments. Donc ces informations qui sont un petit peu à retard, qui sont un peu posées plus loin, elles vont aussi dynamiser le récit. Vous semez des graines au fur et à mesure de l'action, et parfois vous allez pouvoir récolter les informations. Ça vous permet de faire une sorte de ping-pong et d'alterner et de donner encore une fois du rythme. D'autant plus que ces actions, elles peuvent parfois générer ce qu'on appelle des pivots. Les pivots, ce sont vraiment des éléments de transformation. Aristote, il parle de ce qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance est un événement qui peut changer complètement l'histoire. Ça peut se passer à la fin, comme dans certains films. Si vous avez vu le film Usual Suspect de Bryan Singer, vous pouvez voir qu'à la fin du film, sans vous le révéler, il y a une résolution, il y a une reconnaissance, on découvre quelque chose, et donc c'est la conclusion du film, avant de terminer l'histoire. Donc la reconnaissance, on pourrait appeler ça la découverte de la vérité. La découverte finale de la vérité, ça peut être une façon de conclure une histoire, mais ça peut également être une transformation complète de la direction de l'histoire. Si on prend par exemple le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, où on est à la recherche d'un très grand requin qui fait beaucoup de victimes, à un moment de l'histoire, environ au milieu du deuxième acte, les villageois, les personnes qui sont proches de la ville où attaque le requin, font la fête parce qu'ils pensent avoir attrapé le bon animal, le bon requin. Celui qui semait la terreur dans tout le village. Or, alors qu'ils font la fête, et que finalement on est dans une certaine joie, on a un pivot complet, un retournement à 180 degrés, où on découvre qu'en réalité, l'animal qu'on pensait avoir attrapé n'est pas celui-là, et que le tueur sous-marin continue
de faire ses crimes sous la mer et que donc on pensait que c'était terminé et en réalité on repart et on dynamise le récit, on passe dans la deuxième moitié du film. Un autre outil que vous pouvez utiliser pour faire avancer votre récit, dans l'acte 2 notamment, c'est ce qu'on appelle les scènes séquences. Vous avez travaillé sur votre deuxième acte, à développer les sous-histoires, les personnages secondaires, et à faire en sorte que votre film prenne de l'épaisseur, que votre histoire prenne de l'ampleur. C'est très bien. Vous avez donné de la vie à tout ça, l'histoire a du corps. Néanmoins, vous avez peur que votre histoire principale finalement soit un peu à la traîne par rapport à toutes ces interactions entre les histoires secondaires, les personnages secondaires, etc., etc. Et donc, vous pouvez user d'un outil qui fonctionne très bien, qui est celui de créer une série de scènes ou une scène qui va être en fait presque une certaine séquence dans le film. Un élément qui ne va pas être interrompu par des histoires secondaires, qui ne va pas être interrompu par des imprévus. C'est une sorte de scène qui vient se poser et qui permet véritablement de faire avancer l'action. On avance, on avance, on avance, et d'un coup, pour le coup, on a besoin que ça avance. Donc on ne se dit pas, ah mince, ça va trop vite, au contraire. Là, on continue de dynamiser l'action. Un exemple de scène séquence, c'est par exemple dans Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg, Indiana Jones. Vous avez Indiana Jones qui recherche l'Arche d'Alliance, où sont cachées, où seraient cachées les tables de la loi déposées par Moïse. Il y a tout un tas d'événements, tout un tas de chemins de traverse que va devoir prendre le personnage principal, parce qu'il est face à plusieurs obstacles. Et donc, comment dire, pour dynamiser l'histoire, le scénariste Laurence Kasdan a fait en sorte que l'histoire soit détournée, qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait des pivots et des changements de direction. Néanmoins, à un moment, il faut faire avancer l'histoire. Et vous avez cette séquence, cette scène séquence, où vous allez avoir Indiana Jones, accompagné de son compagnon qui s'appelle Salah. Ils vont trouver l'Arche d'Alliance. Grâce à un certain médaillon, grâce à une orientation du soleil, etc., ils vont trouver l'endroit où est enterrée l'Arche d'Alliance. Et donc vous allez avoir toute cette étape entre la découverte de l'endroit où ça se passe, jusqu'à le début des excavations et du fait de creuser à l'endroit indiqué, puis de descendre pour trouver l'Arche d'Alliance, toute cette partie-là qui fait vraiment avancer le récit, puisque notre personnage principal découvre où se trouvent potentiellement les tables de la loi. Et donc à cet endroit-là, ça avance dans l'histoire, c'est dynamique. Donc, Indiana Jones, il indique l'endroit, il avance, il creuse, accompagné de certains ouvriers, ils vont réussir à trouver l'Arche d'Alliance. Et cette séquence qui dure peut-être 7-8 minutes, à cet instant, vous n'avez pas d'histoire secondaire. Vous n'avez pas l'histoire d'amour avec Marianne, qui est la femme qu'aime Indiana Jones. Vous n'avez pas de personnes qui viennent interférer dans cette étape. C'est seulement à la fin de la découverte de l'Arche d'Alliance que l'ennemi, les archéologues dirigés par les nazis qui veulent eux aussi récupérer cet objet mythique, vont les attendre à la sortie de l'endroit où ils ont trouvé l'Arche d'Alliance. C'est-à-dire que vous avez une scène séquence qui fait avancer l'histoire, on arrive à trouver l'endroit de l'objet, on le découvre, on le déterre, on arrive proche de l'objectif, du but d'Indiana Jones, qui est celui de sauver des griffes des nazis cet artefact, ce trésor archéologique. Et donc durant cette séquence, tout ne va que dans le sens de l'histoire principale. Et c'est seulement à la fin de cette scène séquence qu'on va de nouveau avoir des obstacles, et notamment les nazis qui vont récupérer l'Arche d'Alliance et qui vont abandonner Indiana Jones et Marianne au fond du tombeau. Et donc ils vont devoir de nouveau se confronter à de nouveaux obstacles et chercher à atteindre leur objectif. Mais sur cet épisode-là, sur ce moment-là, vous êtes sur une scène séquence, quelque chose qui donne du dynamisme au récit, qui n'est pas interrompu par des éléments secondaires et qui permet de faire avancer l'action. Maintenant que vous avez terminé d'écrire votre acte 2, que vous avez donné du corps à vos personnages, que l'histoire principale et les histoires secondaires se sont bien entremêlées, que tout ça est devenu crédible, épais, réaliste, que vous voyez l'univers, que votre spectateur et votre lecteur perçoit tous les enjeux de cette histoire et voit le personnage principal traverser toutes ces péripéties qui l'emmènent au fur et à mesure à répondre à la fameuse question qu'il s'est posée dans l'acte 1, il va falloir passer à l'acte 3. La transition vers l'acte 3, elle doit être faite encore une fois pour répondre à la question qui a été posée à l'acte 1. À l'acte 1, on voulait savoir si notre guitariste de jazz allait pouvoir devenir célèbre.
Et plus on approche de la réponse, plus le personnage, lui, il vit des épreuves, plus il se retrouve face à des obstacles. Et donc, la situation, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez passer à l'acte 3, vous devez avoir un vrai pivot, quelque chose avec des enjeux, où on repose la question. Ça peut être peut-être qu'il se casse les jambes, il se coupe un doigt. Comment est-ce qu'un guitariste pourrait devenir guitariste professionnel alors qu'il a perdu un doigt? Si on racontait l'histoire de Django Reinhardt, par exemple, Django Reinhardt qui a eu les doigts brûlés dans sa caravane, s'est retrouvé avec des doigts collés. Pourtant, il est resté le virtuose qu'il est et qui est resté à la postérité. Néanmoins, si on écrivait son histoire, si on filmait son histoire, on pourrait se poser la question, est-ce qu'avec cette épreuve-là supplémentaire, il va être capable d'atteindre son rêve, qui est celui de devenir un guitariste absolument célèbre et connu dans le monde entier? Donc il est important d'avoir un enjeu dans votre pivot. C'est très important. Parce que cette transition vers l'acte 3, elle doit mener vers la résolution. Un peu plus tôt, on a parlé d'Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, réalisé par Steven Spielberg. Indiana Jones, il veut récupérer cet artefact, il veut réussir à retrouver ce trésor archéologique et il veut gagner du temps et être le plus rapide et plus rapide que les nazis, qui cherchent absolument à obtenir l'Arche d'Alliance. À un moment dans cette histoire, tout au long de l'acte 2, il y a énormément de développement, énormément de péripéties. Il se retrouve face à un grand nombre de dangers. Mais à un moment donné, lui et sa compagne de voyage, Marianne, se font attraper. Ils sont attrapés une fois pour toutes, c'est-à-dire que tous leurs espoirs, tout ce qu'ils ont mis en place, sont réduits en cendres. Ils ont essayé, plus ils ont essayé de s'approcher de leur objectif, plus ils s'en sont éloignés, jusqu'au moment final, qui est le moment de transition, le moment de pivot, où ils sont arrêtés. Et dans cet instant, la question, elle est présente plus que jamais. Mais est-ce qu'il va réussir à sauver l'Arche d'Alliance? Est-ce qu'il va réussir à l'avoir avant les nazis? C'est vraiment la question qui va se poser pour ce personnage. Et un pivot qui fonctionne, une transition fonctionnelle pour passer de l'acte 2 à l'acte 3, elle doit révéler les enjeux, elle doit remettre sur la table encore des enjeux, dire, regardez, le risque, il est immense. Le personnage, soit il réussira et il sera glorieux, soit il va s'écrouler complètement. Et à l'aube de l'acte 3, on doit vraiment être dans cette tension dramatique. Est-ce que le personnage va réussir ou est-ce qu'il va échouer? Là, pour le moment, Indiana Jones, il est accroché à un poteau. Il est là, témoin de la victoire du nazisme. Alors comment est-ce que lui, il va réussir à changer le destin et voir ses ennemis perdre alors que lui-même est dans une situation où tout ce qui avait été mis en place pour atteindre cet objectif est réduit en miettes? Il est le témoin impuissant de la victoire de son ennemi. Voilà le genre d'enjeu dont vous avez besoin pour faire une véritable transition entre votre acte 2 et votre acte 3. Le moment est maintenant venu de conclure votre histoire. Tout ce que vous avez posé depuis le début, que ce soit les enjeux et les présentations de l'acte 1, et la question centrale posée pour créer l'arc narratif, que ce soit les éléments secondaires, les personnages secondaires, tous ces éléments qui vont s'enchevêtrer les uns dans les autres pour donner du corps à votre récit, toutes ces questions restées en suspens, soutenues par l'action et par les différents conflits qui se sont succédés, toutes ces choses-là, vous devez maintenant y répondre, et c'est l'acte 3 qui vous permet de remplir cette fonction. Dans l'acte 3, vous devez relever les tensions, vous devez finir l'histoire. On doit tout terminer maintenant dans l'acte 3. Il y a un outil qui permet de réaliser tout cela. On appelle ça le climax. Le climax, c'est une scène ou une succession de scènes qui vont conclure l'histoire. Mais à la différence des autres scènes, dans le climax, le personnage principal, celui qui vit la dernière opposition, la dernière action, n'a plus d'autre choix que de réussir ou d'échouer. Il n'a plus la possibilité, comme ça a été le cas précédemment, de se retrouver face à un obstacle et de prendre un détour pour essayer encore d'atteindre son objectif. Là, il n'y a plus d'obstacle entre l'objectif et lui. Il y a un événement, un grand final, quelque chose qui est là et qu'ils vont devoir conclure. Le personnage principal, il a deux possibilités. Prenons l'exemple de notre guitariste de jazz, celui qui voulait être célèbre, qui était un virtuose dans son garage, et dans l'acte 1, on avait posé la question de savoir sera-t-il célèbre à la fin? Réussira-t-il à vivre de son art? Et bien dans l'acte 3, dans le climax de l'acte 3, on va mettre ce guitariste de jazz, par exemple, en train de jouer dans un concert diffusé à la télévision. Un concert, si jamais il réussit à montrer sa virtuosité en tant que guitariste, ce personnage deviendra célèbre pour toujours. Diffusé sur les télévisions du monde entier, il sera une star. Il atteindra enfin la gloire. À l'inverse,
s'il ne parvient pas à jouer ce solo extrêmement compliqué sur lequel il compte tant et qu'il échoue, il vivra dans la honte pour toujours et jamais plus il ne pourra se relever. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de créer une tension à laquelle on ne peut pas se soustraire. On ne peut pas fuir devant cet élément-là, le climax. Vous devez vivre cet événement. Le personnage principal doit passer au travers. C'est vraiment un point tournant. C'est la résolution de l'histoire. Une fois que le climax a eu lieu, et qu'il s'agisse à la fin d'une réussite ou d'un échec, il y a des films où le personnage principal ne parvient pas à surmonter certains éléments, parfois ses propres démons. Parfois, il meurt à la fin. Il n'est pas capable de survivre à cette histoire. Et donc, lui-même s'éteint. C'est un climax. Même s'il finit en ayant perdu, en n'ayant pas réussi, l'histoire se termine là pour lui. Qu'il ait réussi ou qu'il ait échoué, l'histoire est terminée. C'est le climax. Et donc, soit le personnage échoue, soit le personnage réussit. Mais quoi qu'il en soit, une fois que le climax a eu lieu, c'est terminé. Il n'y a plus rien à raconter. Vous avez répondu à toutes les questions. Vous avez résolu toutes les histoires principales, toutes les histoires secondaires. Tout ce qui doit être raconté a été raconté. Et donc, le climax, c'est vraiment l'amorce de la fin. Vous n'avez plus rien à écrire. C'est terminé. On va maintenant redescendre les tensions. On peut finir sur des images, des belles images, avoir quelque chose qui va conclure, peut-être d'une manière poétique ou d'une manière philosophique. Mais en tout cas, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'éléments supplémentaires. On termine l'histoire et on la termine bien. Une fois l'acte 3 résolu grâce au climax, il n'y a plus qu'à rentrer chez soi. On termine tous les éléments, tout est fini et on va maintenant refermer le scénario qu'on a écrit. L'histoire est terminée et il n'y a plus rien à raconter dans cette narration-là. La structure en trois actes, c'est vraiment un outil essentiel et utile pour le conteur, le scénariste, le romancier, toutes ces personnes qui veulent raconter des histoires qui fonctionnent, qui sont dynamiques, qui sont rythmées et qui avancent. Mais à côté de ça, rien n'est gravé dans la pierre. Et c'est un peu sur ça que je voulais conclure cette vidéo-là, ce chapitre-là. C'est sur le fait qu'une structure, c'est fait pour être modifiée. Une règle, c'est fait pour être contournée. Ici, l'objet de cette vidéo, c'était de vous montrer une base de quelque chose qui peut vous être utile, une sorte de guide. Un élément auquel vous pouvez vous référer et qui vous permet, quand vous êtes perdu dans votre écriture, de trouver des points précis et de vous dire « Ah oui, j'en suis là. Ici, il y a un pivot qui n'est pas clair, je comprends pourquoi je n'arrive pas à faire avancer mon récit. » Mais après ça, la structure en trois actes, même si Aristote l'a fait fonctionner depuis plus de 2 millénaires, clairement, vous pouvez aussi la transformer. Aujourd'hui, avec le montage, on voit des films qui commencent par la fin et qui se terminent par le début. Et ça marche. Il n'y a pas de limite à votre créativité. Si vous connaissez le fonctionnement des choses, vous pouvez savoir comment on les modifie, comment on les contourne. Et c'est vraiment ça qui est important. Ne vous laissez pas impressionner par une structure en trois actes. Ne vous laissez pas contraindre par la structure en trois actes. C'est quelque chose qui fonctionne, qui a encore certainement de beaux jours devant elle, cette structure. Néanmoins, vous pouvez aussi décider de créer votre forme de narration. Prenez ce qui vous intéresse, laissez sur le côté ce qui peut-être ne vous intéresse pas, mais soyez sûr que ces choses-là fonctionnent et qu'en comprenant leurs mécanismes, vous pourrez faire fonctionner votre récit et la manière dont vous décidez de le raconter.